Deux accidents sont survenus dans les dernières heures sur des cours d'eau au Québec. Une jeune fille manque toujours à l'appel, d'ailleurs, en Abitibi, alors que l'ange gardien, Pascal, on craint pour la vie d'un jeune garçon de 8 ans. Hier, les services d'urgence ont été appelés à intervenir ici, à l'Ange Gardien, dans un secteur boisé. C'est qu'un jeune garçon de 8 ans se serait retrouvé dans un cours d'eau à la suite d'un malaise. Il repose toujours dans un état critique. Donc hier, en fin de journée, il a été transporté au centre hospitalier et on craint toujours pour sa vie. Retrouvé, récupéré là, par des proches et transporté au centre hospitalier dans un état critique. Ce matin, suite aux vérifications, son état est toujours jugé comme étant critique. Est-ce qu'on a une idée de ce qui aurait pu se passer pour que l'enfant se retrouve dans cette position-là? Non, j'ai pas de précision là, au niveau de l'enquête. Je n'ai pas eu d'avancée à savoir déterminer la chronologie des événements, qu'est-ce qui l'a amené là, à chuter dans le cours d'eau.